Bonjour les traders. Alors, il y a Xavier, le trader tribu, qui montre aussi son portefeuille, comme moi, qui le montre aussi dans mon sur mon groupe. Il me dit bravo, la barre des 200 membres vient d'être passée. Alors, et comme je lui ai dit, parce qu'on a aussi une conversation de groupe personnelle. Et je vais prendre un peu de repos sur la bourse parce que c'est vrai que pour moi l'année 2018 n'a pas été une bonne année sur la bourse. Je suis pas en gain, je suis pas en gain. Je suis en gain sur mes assurances vie. La méthode Momentum a très bien marché. Là, je suis à nouveau un petit plus-value latente de 617 euros, vous voyez. Mais bon, c'est pas ça qui va me. Ce que je vais faire, parce que comme vous savez, suite au mail de Thierry qui ne m'a pas répondu d'ailleurs, voilà, j'ai décidé de faire une nouvelle méthode sur les fondamentaux, sur les dividendes. Parce que les 22 méthodes que j'ai achetées, ben, ils n'en parlent pas. Et je me suis dit, tiens, c'est une occasion de faire ça. Et comme y a beaucoup de personnes qui me disent, ben, tu ne vends pas ta méthode parce que tu ne peux pas prouver. Tu ne prouves pas que ta méthode fonctionne. Donc voilà, je me suis créé une liste. Je vais acheter les actions que j'ai prévues. Je sais comment les acheter. Et je vais vous montrer quand il y aura des dividendes. Voilà, et à ce moment-là, je fixerai un prix. Ou sinon, pour moi, l'année 2018 a été mauvaise pour les actions. Mais ou sinon, je n'ai pas que ce revenu. J'ai une horlogerie-bijouterie qui n'a jamais si bien travaillé, puisque j'ai plusieurs de mes collègues qui ont pris leur retraite en 2017 et qui n'ont pas été remplacés. J'ai mes 7 maisons qui me rapportent. Et là, ce qui est incroyable, c'est que de mes parents, j'ai hérité des maisons et j'ai hérité aussi des dettes. Des dettes, il y avait une personne qui était partie avec 4 100 euros de loyer impayé depuis plus de 10 ans. Et cette personne vient de décider elle m'a envoyé un courrier, je lui ai répondu, tout ça. Et elle vient de décider, suite à différents procès, Banque de France et tout, elle a retrouvé du travail et elle a décidé de me rembourser mes dettes. Et là, je viens de recevoir deux virements, un virement de 820,10 € et un virement de 410,05 €. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait 0,10 et 0,5, mais en tout cas, ça va. Vous voyez comme quoi, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Ne dites jamais, jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Là, c'est une dette. Cette personne me devait 4 100 euros de loyer à mes parents. Et là, il a décidé de. Puisque ça, c'est des dettes que j'ai héritées avec mes deux frères. Donc, bien sûr, mes deux frères, je vais leur redonner un tiers je vais garder qu'un tiers de cette somme. Il y a des appartements, il y a un appartement qu'on a acheté en commun, qu'on n'a pas acheté en commun, qu'on a hérité en commun, aucun de nous trois ne voulait. Et voilà, et puis voilà, j'ai fait virer cette somme sur ce compte que c'est moi qui gère. Voilà, pour vous dire que la bourse, ça n'a pas été une année formidable pour moi, mais j'ai des autres revenus, j'ai des autres. Que ma bijouterie fonctionne très bien. Je pensais prendre ma retraite, mais je vais continuer de travailler. Mais par contre, je vais prendre un peu de recul sur la bourse en attendant de bien faire comment on dit, de vous prouver, parce que voilà, de vous prouver que ma nouvelle méthode fonctionne. Ou sinon, je parraine toujours
les méthodes, si vous voulez aller plus loin, les méthodes de Ben et les méthodes de Julien Flo. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit l'année prochaine. Je vous montrerai les dividendes que j'ai touchés. Merci de me suivre et à bientôt et bonne fin d'année encore. Merci et au revoir.